Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir le maître Miles Edgeworth. La toile, s'il vous plaît? Peut-être un petit peu plus rapide que ça. J'ai pas la vitesse, malheureusement. Donc, pendant que ça descend, j'aimerais vous spécifier que vous êtes à la mascarade du Rubicon, 3e édition, au cas où que vous êtes assis et que vous savez pas où est-ce que vous êtes. Prenez note qu'il va y avoir un prix du public, donc il faudrait que vous reteniez l'entrée que vous avez aimée le plus. Vous pouvez la décrire par son chiffre, par sa caractéristique de costume ou son nom de cosplay. D'ailleurs, on voudrait aussi vous rappeler de ne pas prendre de photos avec des flashs, s'il vous plaît, c'est pour la sécurité de nos cosplayers. Donc, revenons aux choses sérieuses. Je me présente, comme on dit, Miles Edgeworth, procureur de la couronne. Je ne vous ai pas réuni aujourd'hui seulement pour regarder un spectacle. Vous serez appelé à jouer votre rôle de citoyen et juger quelques accusés, coupables ou non, de leurs crimes. Ne perdons pas plus de temps et passons à la lecture des actes d'accusation. Je vais commencer par ceux que vous appelez vos juges. Première accusée, Mme Nihania Surillon. Elle est accusée de trafic de conseils en tout genre. Nous avons des informateurs qui nous ont dit qu'elle avait le cœur sur la main et qu'elle était très généreuse. Sans se méfier, elle divulgue des informations sur ses costumes, ses talents et son parcours à tout le monde, et ce avec patience et douceur. Nous avons également appris qu'elle tente de fuir ses crimes en se rendant au Japon cet été. Elle dit que c'est pour représenter le Canada dans une compétition, mais nous sommes pas dupes, nous l'aurons à l'œil. Elle a d'ailleurs trouvé une complice dans la personne de la prochaine accusée qui se rendra au Japon avec elle. Madame Nafuri-chan est accusée d'avoir troublé la paix avec sa grande beauté. Partout où elle va, les gens sont impressionnés par l'élégance de ses costumes et de ses expressions faciales. Elle est posée et son sourire inspire la confiance. On nous rapporte qu'elle fait tourner plusieurs têtes. Restez sur vos gardes. Les deux... Est-ce qu'on peut les sortir de scène? Les escaliers sont là. Les deux prochains accusés sont un duo indéniable. Madame Ellune et Monsieur Axel sont les Bonnie and Clyde modernes. Nous les accusons de vol qualifié et de prise d'otage de cœur. Plusieurs victimes nous ont rapporté leur modus operandi. Ils s'approchent avec un sourire bienveillant et une attitude accueillante. Ces traits de personnalité accompagnés de leur incroyable maquillage et de leur costume vous subtilisent votre amour en un clin d'œil. Nous comptons des victimes partout au Québec et en Suisse. J'aimerais aussi rajouter un acte d'accusation à M. Axel pour avoir pas s'être présenté à son procès. Mais si vous pensez que ces juges sont des durs à cuire, attendez de voir vos animateurs. La prochaine accusée, Mme Dark Carnival Butler, est accusée d'usage illicite de bling bling. Nos observateurs ont remarqué qu'elle aime agrémenter ses costumes et ses maquillages de floritures artistiques pour attirer le regard. Elle est resplendissante et dégage une aura de douceur. Toutefois, lorsqu'elle est sur scène, elle peut devenir une interprète redoutable. Nous vous conseillons de faire attention. Pour terminer, nous accusons Monsieur de Merchant Cosplay d'abus de dinosaures et de tentative de meurtre sur la personne de la jeune. Nous avons d'ailleurs plusieurs preuves physiques. Ninja! Vous voyez, il apporte des dinosaures partout où il va. De plus, il n'hésite pas à utiliser l'humour et le ridicule pour arriver à ses fins. Il semble être une personne enjouée, énergique et confiante. Alors, méfiez-vous! On consulte les ninjas avant que je les accuse d'outrage au tribunal. Ah.
Canada. Bon, ben, j'espère que vous serez capable de juger de leur acte, puis bonne chance! Quelle entrée, hein? On va commencer par le début, hein? Oui! Salut, bienvenue au Comic Con! Malheureusement, pour vous, c'est encore moi, une troisième année. J'ai changé de quoi de Miss. Mais définitivement pas de costume. Mais définitivement pas de costume. Où sont mes autres co-animatrices, dites-vous? Vous voulez pas le savoir. Mais... Bienvenue, Rubicon! Je suis content de vous voir. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être là. Première expérience en tant que MC, donc c'est très déstabilisant. Première chose que je remarque, c'est que c'est vrai qu'on voit rien. On voit fuck all. C'est vrai que je vois les jeux. En tout cas, je vois ce que je pense être des jeux. Oui. Je vois trois lapins. Tu penses être comme blanc fluo. Mais à part ça, c'est pas mal ça, hein? Oui, c'est ça. On se sent un peu loin et ça devrait bien aller. Mais je suis vraiment très contente d'être ici pour la première fois. Je crois avoir un bon coach pour ma première fois, donc je suis entre bonnes mains. Yes, c'est you vite. Do. Yes, you c'est do. Vite dit. Mais ouais, c'est ça. Donc, première expérience en tant qu'MC. J'ai été participante, j'ai été juge, j'ai été ninja, maintenant MC. Prochaine fois, ça va être quoi, je ne sais pas. On verra bien où la vie va te mener. Que ça va? Effectivement. Okay, hein? Oui. Y en a-tu que c'est leur première fois dans une mascara? Oh! Ben, levez pas vos mains, là! Ok, là, vous levez vos mains, là! Ok, quand même, pas mal, ça m'étonne, c'est rare. Ok, donc, une mascarade, bon, là, je redeviens blind. Donc, une mascarade, c'est quoi? Tu sais quoi, d'habitude, je le dis, mais c'est quelqu'un de mieux que toi pour dire c'est quoi une mascarade, mademoiselle Lareux? Mascarade, c'est simple, c'est un concours de cosplay. Un concours autant de costumes que d'interprétation de personnages. C'est la définition courte, je dirais. Les gens qui vont défiler devant vous vont être jugés, ont déjà été évalués au niveau de leur confection et vont maintenant défiler devant vous sur la scène pour être jugés au point de vue de leur présentation par notre panel de juges que vous avez vu un petit peu plus tôt. Et... ça, quelque chose à rajouter. Je ne pouvais pas vraiment faire un mutoué. C'est comme, la mort était là, puis j'étais genre... non, t'es alors un peu. C'est pas mal, non. OK. Vous voyez pas trop dur avec moi, s'il vous plaît? Ben non. Soyez pas trop dur avec nos participants non plus. Non. Ils ont mis beaucoup de sueur et de sang dans leur cosplay. Deux magnifiques mots qui commencent ça par la lettre S. On a plusieurs catégories. Novice. Intermédiaire, artisan, maître et hors compétition. Et aussi un junior que vous allez avoir. Objection! Il y a deux juniors! Surveille tes affaires! Mais non! En même temps, tu réponds de moi un petit peu à ce moment, donc. OK! Il n'y a pas de junior! Hey! Il y en a deux! Mais il y en a deux! Elle a dit qu'il y en avait deux! Je comprends rien! Il y a deux juniors! Oh. Donc non seulement je comprends rien, mais en plus je suis sourd! C'est l'oreillette! Je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous êtes prêts?
énergie. D'habitude, c'est juste genre. Ah, je suis sûr qu'il peut pas donner plus que ça. Plus que fort, hein! Non, là, ils sont pas mal cool. Voulez-vous faire plus fort que ça? Yeah! Avec l'entrée numéro au nom. Dans la catégorie novice slash junior, Evil Like Me. Quand on est la fille d'une des personnes les plus maléfiques du royaume, ça laisse place à de drôles de scènes lors des remises en question spirituelles. I have tried my whole life long to do the worst I can. Clawed my way to victory, built my master plan. Now the time has come, my dear, for you to take your place. Promise me you'll try to be an absolute disgrace. Maléfique et mal, avec un costume tiré des descendants de Disney. Ben oui, toi. Je peux comprendre, toujours l'hésitation. Ah, on applaudit après, mais on applaudit après la fin. C'est toujours bon d'applaudir, tout le temps, sauf en temps. C'est ton tour, ça! OK. Donc, entrée numéro 2, dans la catégorie intermédiaire. Claire Redfield réussira-t-elle à survivre et à s'échapper de Raccoon City? Alors que Claire essaya désespérément de fuir cette ville infestée par des zombies, elle tomba sur la plus grosse et monstrueuse arme biologique créée par Umbrella. Nemesis! Réussira-t-elle à lui survivre et quitter enfin cette ville maudite? Jamais vu de mascarade, je pense que c'est bon de leur dire c'est quoi un ninja. Les ninjas,
Attends un peu. Je vais finir d'introduire l'entrée. Tu l'expliques après. Donc, c'était une présentation de Sarah Kennedy Cosplay, Sylvester Power Cosplay, Dark Shadow Cosplay, Bruni Nock Cosplay dans les rôles de Claire Redfield, Nemesis Zombie 1 et Zombie 2 de Resident Evil 2 et 3. On t'apprend quand je... C'est clé pour le petit plat de cus au moins. Ben, il n'existe pas vraiment un petit plat de cus, la queue n'est pas assez longue, mais vous le verrez dans mon panel demain. Donc, les ninjas, c'est des gens qui aiment beaucoup le cirque et faire rire d'eux autres, puis qui sont là pour aider les participants sur scène à mourir principalement, mais être des acteurs pour vous. Donc, c'est ça, c'est les gens en noir. C'est hot, hein? Ouais, c'est incroyable. Donc, entrez numéro 3. C'est des blagues, je les aime. Dans la catégorie novice slash junior, la reine rouge décide de faire le ménage dans la ruche. La reine rouge, une intelligence artificielle, décide de libérer une arme monstrueuse en forte mutation pour faire le ménage dans tout le laboratoire. Personne ne doit sauver. Representation of the Red Queen. You have to get out. I'm after the head programmer's daughter. They try to deceive us. Confuse us. I wouldn't advise this. Saving me from insulting your supplementary power. Is there anything to stop us from shutting her down? I implore you. Implore away. Please. Please. You're all going to die down here. Tiré de Resident Evil incarnant Lupo, Red Queen, Licker et Team Leader Mercenaire. Entrée numéro 4. Un instant. Je dois vous interrompre. On va remettre les prix juniors. Ah, c'est vrai. Et les prix juniors sont remis tout de suite. Comme ça, ils peuvent aller se coucher. Je pensais à ça. Peut-être qu'on pourrait avoir un mot à dire, nous autres aussi. Sauf quoi? Donc, premier prix junior va à l'entrée numéro 1. On lui remet le prix de horreur junior. Les chiffres ont été inversés. On lui remet le prix de maléfique malicieuse. Ben, vous doutez déjà de quel prix on remet à l'entrée numéro 3, mais on va quand même le nommer. Horreur Junior! Dans la catégorie intermédiaire, les jeux vidéo.
Vous jouez aux jeux vidéo? Oui! Quelle question? Vous avez essayé les rights? Alors, vous allez savoir de quoi cette fille parle. Qu'il gagne, ne rie plus, joue ta partie et arrête de chialer. Mais on va perdre, je drop d'ilo. Je drop d'ilo. Je suis bronze, je suis poignée dans ce ilo. Je suis bronze, j'ai toujours des épées comme coéquipier. Je m'en fous si tu AFK. Pourquoi t'enrager? Perdre la partie ne va pas me déranger. C'était une présentation de Cupcake Senpai Cosplay. Personnifiait Jinx de League of Legends. La toxicité même de LOL. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, entrée numéro 5 dans la catégorie novice. Nightmare Before Christmas. Well, 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 what have we here? Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking! I can't believe my eyes! You're joking me! You gotta be! This can't be the right guy! He's ancient! He's ugly! I don't know which is worse! I might just split a seam now if I don't die laughing first! As Stony Boogie said, there's trouble close at hand! You better pay attention now, cause I'm the Boogeyman! C'était Asuna Beaudonnet interprétant Oogie Boogie de Nightmare Before Christmas. Entrée numéro 6 dans la catégorie maître. Une pincée de ce que j'ai appris. Après sa petite visite au Japon, Tinkerbell désire vous montrer ce qu'elle a appris de ce pays. Et ce, avec cette petite démonstration. Un soupçon de poussière de fée, de la musique, et puis le tour est joué. Et le design vient de l'artiste
Star Shadow Magic. Allez, fais-la. Je le sais que t'as hâte de le voir celle-là. Oh, ouais. Ah, ça en vient, là. On le sait, là. On va la commencer tout de suite, les qui sont peut-être trop. Hein. Oh, ouais, non. Entrée numéro 7 dans la catégorie intermédiaire. Titre de l'entrée, pas de mode. C'est une belle journée où tous nos maraudeurs vaguent à leurs occupations. Que fait notre plus beau maraudeur? Faisant une réinterprétation du jeune Sirius Black dans Harry Potter. C'était pas mal... magique. Ça prendra la prochaine. Le plus drôle, c'est que tous mes jeux de mots poches, elle sait pas je vais les faire. Non! C'est ça qui me fait peur. Je suis en terrain inconnu. You're in my territory. Welcome to my world. OK. Entrée numéro 8 dans la catégorie novice. Problème à Yue. Avec 3 ans d'expérience de cosplay et Shisanamoshi avec 2, se présente pour la première fois sur scène présentant 2 personnages de la série My Hero Academia, Katsuki Bakugo. Imiko Soga. C'était Arai Gumakun et Shisara Moshi interprétant Katsuki Bakugo et Imiko Toga de My Hero Academia. De My Hero Academia, est-ce qu'il y en a qui a vu le film qui est à Montréal en ce moment, le nouveau? Dites-moi rien, je m'en veux encore! Spoiler! Je ne vous spoilerai pas! Je veux juste dire que... c'était bon. C'est juste ça, c'est trop! Bon, avant que... Non. Entrée numéro 9 dans la catégorie Artisan. In the name of justice. Les forces de l'Empire avancent et il faut utiliser tous les moyens pour les combattre. Tous les moyens. Interprétant Ash Hubert de Fire Emblem Three Houses. J'ai
vraiment aimé, il y a une couple de personnes-là qui étaient comme Darth Vader, va rentrer! C'était clair, là. Non. Mais non. L'entrée numéro 10 dans la catégorie maître. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin! Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Fini les tourments amoureux. Enfin libre. Girl power! Qui interprétait Emily, The Corpse Bride de l'univers de Tim Burton. L'entrée numéro 10-10 dans la catégorie Boys, Band and Girl. C'est une présentation de type sketch et parade, juste leur dire. And the award goes to... Chicken! Cosplay, T-Rex cosplay, blonde du MC cosplay et moi cosplay. C'était des ninjas. Désirez-vous être jugé? Oui, mais tu veux pas. Je pense que c'est pour vous autres. Oh my god. Oui! Oh non! Entrée numéro 11. 11. Dans la catégorie en compétition. I've been expecting you. Nines arrive à la tour afin d'hacker la porte pour y rentrer, mais quelqu'un était là à son arrivée. Wait, you? Nines, we've been expecting you. You need to open the door to the tower. I hope you
c'était Amy Keaton et The Bear Lord, interprétant Popola et 9S de Nier Automata. Un jeu que j'attends impatiemment qui baisse le prix. Parce que j'ai le goût de jouer, mais il est toujours cher. J'entends-tu dire qu'il est en rabais sur le PlayStation Store? Je vais regarder ça. Entrée numéro 12 dans la catégorie novice, Say My Name. Non. Lydia Ditz, fille de Charles Ditz, est souvent référée comme la fille gothique. Pour revenir parmi les vivants, Beetlejuice planifie de la marier. Lydia, this is a dangerously unstable individual. Beetlejuice is sexy. Oh, Beetlejuice is smart. C'était présenté par Zoé Zick, qui interprétait Lydia Ditz de Beetlejuice. Entrée numéro 13 dans la catégorie intermédiaire. Feel my fury. When he broke the third seal, I heard the third living creature saying, come. I looked and behold, a black horse, and she who sat on it held a whip of fire. Are we to fight? The Darksiders? Maintenant, l'entrée numéro 14 dans la catégorie Maître. Le roi des fous. C'est la fête ici à Paris. Voyons voir qui est le plus laid d'entre vous. Ah! Interprétait Clopin du Bossu de Notre-Dame. Duh. En tout cas, c'était parfait. On écœure ce qu'on vient. Tu dois m'aimer, ça. Numéro 15 dans la catégorie Novice. Rose de Princesse. Grandes amatrices de costumes en tout genre. Du cosplay à l'historique, en passant par les grandeurs nature, Jessie et Marie vous présentent pour leur première mascarade
la réalisation de ces jupes de princesse Disney en rose. Elles ont relevé le défi d'une confection pour les personnages de Belle et Ariel avec une petite touche de fantasy dans le design. Marie-Pierre, qui interprétait Belle et Ariel de l'univers des Disney. Entrée numéro 16 dans la catégorie intermédiaire, fashion or badass? Vous pensez avoir vu Madara dans toute sa splendeur? Attendez de voir ça! De Darksider Cosplay qui personnifiait un personnage de Naruto. Oui, un personnage de Naruto, pardon! Moi, Naruto, c'est mon bébé, là. Madara était mon main, là. Je suis sûr que tu pensais qu'elle aimait l'art de Joke, je l'aime beaucoup. Je suis sûr que tu pensais qu'elle jouait de la guitare. Mais non! Entrée numéro 17 dans la catégorie intermédiaire. Un enfant particulier. Au pays de Galles se trouve un pensionnat pour enfants au talent particulier gouverné par une certaine Miss Peregrine. Parmi ses enfants se trouve une jeune fille pyromancienne, Olive Abrojolos Elefanta. De Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Entrée numéro 18, catégorie novice, archéonique. Le laboratoire antique d'Akala est fier de vous présenter sa nouvelle création qui ravira Ilien et Ilienne de toute la région.
présenté par Lemmy, qui incarnait Zelda en armure archéolique. Tiré de Zelda, Breath of the Wild. Vous ne, m'empêcherez pas de parler. Une crise politique a lieu à Agrabah. Jafar, le grand vizir et maintenant sultan, a capturé la princesse Jasmine. I won't be silent. You can't keep me quiet. Pas le droit de casser son panel! Chut! Fun fact, je sais même pas pourquoi j'ai eu ça en ce moment. Je savais même pas qu'il y avait ce style, puis je l'ai volé. C'est incroyable! En plus, c'est juste parce que t'essaies de me remplacer prématurément. Non, je sais pas. Non, je sais pas, tu réussis! Mais non, je t'aime beaucoup. Elle fait quand même un très bel job. Merci. On a été gênés. Oui. Love you, MC! Oh mon Dieu! Ok. Vous êtes. J'ai une femme dans la salle. Ok. Entrée numéro 20 dans la catégorie novice. Un lézard empoté et super maman. Un lézard handicapé avec de la maladresse, mais elle adore faire la cuisine. Voici Mido Saito Akage, une super maman au goût d'aventure. De Mido Saito Akage avec sa création originale. Ça aussi, ça a pris mon convention des créations originales. C'est fun. Oui. J'aime ça. Ça amène à... Ça amène du nouveau, ça amène un vent de fraîcheur. Ça amène à... au monde à démontrer leur esprit créatif. Oui, effectivement. C'est exactement ça. L'entrée numéro 2020 dans la catégorie Rubicon, les ninjas s'amusent. Tout le monde le sait, les ninjas sont de fervents amateurs de fight et de danse. C'est pas le moment, là. La danse, c'est après la mascarade. Hey, oubliez pas, on va faire de la pizza. Ah! Je sais pas. Hein? Il y a une explication logique. Ouais, non.
Ouais. Après la mascarade, il va y avoir un party. OK. Genre, ça va être lit, là. Ça va être genre, what? Pis en plus, pour vrai, là, c'est comme, oh, ouais, party, je sais pas ça. Il va y avoir de la pizza. Genre, comment tu peux dire non à de la pizza? Regarde, la pizza! La façon que ça va marcher, là, c'est que pendant la soirée, vous allez pouvoir acheter des points de pizza en achetant un coupon à 4$. Parce qu'il faut quand même qu'ils vivent, hein, ils peuvent pas vraiment. Tiens, pizza! Il n'y aurait pas de pauvreté sinon. vous pouvez aller immédiatement à la billetterie après la mascarade, bien sûr, pas là. J'ai pas fini. Et c'est ça qui est ça, je pense que c'est simple. La salle. Est-ce qu'on peut avoir la salle? Je sais pas qui est la salle. Exactement, c'est où? On a qu'à me. La salle! C'est au café de la ville! Je veux au moins qu'ils sachent où! Watch out. Mais là! C'est au café Clovis! OK. Someone woke up with an attitude! Finalement, c'est peut-être toi qui vas être remplacé. Yes, une promotion, mais enfin! Bon. Entrée numéro 21 dans la catégorie maître. Une vague de froid touche Arendelle. Elle sent peut-être trouver une solution pour vous réchauffer. Avec interprétant Elsa de Frozen 2. Fait cocasse, c'était mon entrée, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais il voulait pas que je chante le titre de l'entrée. Sinon, ça répond en fait genre. C'est plus genre Flavin, c'est pas la même game. Fait que finalement, on a pris quelqu'un avec une belle voix. C'est toi qui allais le voir, je vous jure, je l'ai pas entendu. Là. Sacré, je m'attendais pas à ce que ce soit pareil. Là. C'est hot. J'ai une bonne oreille, faut dire, mais c'est un petit peu le premier contrat qu'on m'a donné hier soir quand je suis arrivée. Elle est venue me voir, elle me disait « Hey, le titre de mon entrée est chanté. Est-ce que t'as vu Frozen 2? Oui. Tu sais, la petite voix? Oui. Je veux que tu fasses ça. OK. OK. Celui-là? Oui. Oui. Donc voilà, j'ai eu de la pression pour ma première fois. Non. OK, c'est à moi. Entrée numéro 22, dans la catégorie intermédiaire. Nouvelle détenue. Bienvenue à Nambaka, la prison où l'on ne s'enfuit jamais. Première prisonnière du jour, Inata Yura, emprisonnée pour avoir refusé d'avouer son amour pour Naruto. Ensuite, qu'allons-nous là? Diana Cavendish pour sa part accusée de sorcellerie ainsi que d'être l'élève la plus douée de son école. Pas de ça ici.
c'était Anaïs, Audrey Frenette et Maëla Tivierge interprétant Samon Goku, Hinata Yuga et Diana Cavendish de Nanbaka, Naruto et Little Witch Academia. Ça, là, c'est un trio, là! Entrée numéro 23. Tranquillement, on s'approche de la fin. Entrée numéro 23 dans la catégorie novice. Cyberdog, le gardien des dimensions. Un voyageur interdimensionnel qui a pour but de mettre de l'ordre et protéger le monde du néant. Une création originale. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait un style. J'aime les yeux surtout. Puis quand on a fait un RPG Battle tantôt qui était vraiment cool, mais quand il est mort dans RPG Battle, il y a eu des X dans ses yeux. Genre, tout était comme planifié, c'était malin. Entrée numéro 24 dans la catégorie novice, magnifique Arcanine. Arcanine a toujours été son Pokémon préféré. Depuis toute petite. C'est en voulant interpréter ce personnage d'enfance que ce costume fut créé en collaboration avec sa mère, Joanne. Après 2 ans d'efforts, ne partant que d'un dessin imaginé par Joanie, le projet fut enfin complété. C'est ainsi qu'aujourd'hui, elle partage le résultat de tout ce travail avec vous. De Jojo Arcanine Cosplay qui personnifiait Arcanine de Pokémon. Entrée numéro 25 dans la catégorie hors compétition. Un frère, une sœur, un seul vainqueur. Cosplay et Acarfeu Cosplay, interprétant Evie Fry et Jacob Fry de Assassin's Creed et Syndicate. Obviously. J'ai pas de parti pris ici, là, non. Donc,
Entrée numéro 26 dans la catégorie novice, Jelsa. Elsa, après avoir eu sa transformation, ressent le monde des esprits plus que jamais. L'hiver se ressent et l'esprit de l'hiver est intrigué par Elsa. Show yourself, I'm no longer trembling. Show yourself into something new. You are the one I was waiting for all of my life. Oh, show yourself, I'm ready to learn. Come to me now, open your door. Come to me now. One moment more. Enfin, le chien, c'est un rêve réalisé. Trop vite. Donc, c'était une présentation de Akane Venus Cosplay et Feral's Den Cosplay qui interprétaient Elsa et Jack Frost de Frozen et Le Réveil des Gardiens. C'est pas comme un. Waouh, c'est chiant. C'est un petit tingling, là. On lève ça de même, ça. Le petit. Le Cyberdog, c'était tantôt, il était un peu trop tard. Là, don't you dare go out. Il m'en reste ça. Il m'en reste une fois. Ça achève. Je le sais. Vous dites pourquoi, Jean, je voulais continuer à te voir sous les projecteurs. Non, je t'aurais. Moi, j'aimerais vérifier à quel point vous voulez vraiment le voir en dessous des projecteurs. J'ai comme deux personnes. Si vous voulez le voir pour une quatrième édition, il faudrait crier plus fort. J'étais à la dépression. Non. Non, c'est la job à Ariane. Donc, entrée numéro 27 de Final dans la catégorie artisan. La fée des bois et son protecteur. Veuillez accueillir l'association Steampunk du Québec. Avec
avec interprétant une fée des bois steampunk et Victor Van Helsing de Turk. Ça y est! C'est ça! Ça en convient, on a plein de feuilles qui servent à rien. Ça conclut pas mal cette magnifique, sublimissime, incroyable, fantastique mascarade avec moi, votre animateur, Jean-Yves. Et votre co-animatrice, Félicia! Là, comme toujours, il faut vraiment que je sois cheesy. Enfin, il faut remercier Ariane! On a beaucoup tapé sur Jean, Félicia, surtout sur Jean. C'est un bon punching bag. J'suis comme un punching bag. Le pire, c'est que j'suis pas payé. Mais t'es hébergé. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même vous remercier. Vous faites vraiment une bonne job. Merci. Merci, Nicolas, à vous, public. Parce que sans vous, ça ne vient à rien de faire un spectacle. On remercie les ninjas. Exactement. Remercier TQ Cosplay, Lapin Cosplay, T-Rex Cosplay, Blonde du MC Cosplay et moi Cosplay. Incroyable! Non! On vous invite également à venir à la remise de prix qui aura lieu dans cette salle ici même. Et si je ne me trompe pas, à 12h30. Donc, on vous invite. On vous invite également à aller voter pour votre choix du public à la sortie de la salle. Et dernière invitation, on vous invite à aller à l'after party où est-ce qu'il y avait de la pizza. Donc, merci beaucoup. Oh,